tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme donc vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du haul du salon du cheval 2018. Donc je suis désolée, ça tardait un petit peu à sortir, tout simplement parce que dans ce haul j'avais des articles que je voulais offrir à ma meilleure amie, et étant donné que je ne voulais pas qu'elle voit ce que c'était, c'est pour ça que ça tardait un petit peu à sortir puisque c'était prévu pour Noël. Donc voilà, sur ce, eh bien c'est parti. Du coup, donc premier article que j'ai acheté au salon du cheval, donc eh bien il s'agit d'un polo de la marque Show Riders, voilà. Donc c'est celui-ci que je comptais lui offrir. Donc, comme vous me connaissez un petit peu, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai plusieurs polos de chez eux, donc j'en ai trois moi personnellement. Et on les avait vus à la mode cet été, elle lui avait beaucoup plu, donc voilà, je me suis dit que ça allait être plutôt sympa pour Noël de lui offrir celui-là. Donc il est bleu marine, avec le devant du col, avec des petites incrustations, enfin bref, il est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup. Il a pas de manche, parce que je trouve que pour les polos de concours c'est plus sympa de pas avoir de manche. Enfin bref, voilà. Ensuite, toujours chez Show Riders, du coup j'ai voulu tenter le pantalon qu'ils proposent dans leur gamme. Donc c'est un pantalon tout simple, hein. Il est vraiment très sympa. Je vous l'avais déjà montré dans une dernière vidéo où j'avais fait 5 idées de cadeaux de Noël et j'en avais parlé dedans. Donc voilà, celui-là, donc je l'ai ramené du salon du cheval avec moi. J'étais pas convaincue au début parce que en fait j'aime pas trop les grippes en silicone. J'avais essayé sur certaines marques, j'avais pas aimé, et en fait franchement sur ceux-là, enfin sur les nouveaux pantalons qui sortent à aujourd'hui, je trouve vraiment super agréable à porter et tout. Je l'ai mis beaucoup de fois déjà, il tient super bien, c'est de la super qualité, il ne bouge pas dans le temps, il ne rétrécit pas au lavage et il taille super bien. Je l'ai pris en taille 32 je crois, et il me va super bien, on est super à l'aise dedans. Le bas des jambes est un bas où il n'y a pas de patte d'attache avec un scratch, c'est un tube en fait, donc c'est vraiment super agréable. Et pour finir, la matière et les petits détails que j'apprécie, c'est sur les poches, ça brille, c'est joli, voilà. Du coup, si les deux articles vous intéressent, vous pouvez les commander sur le site internet de Show Riders. Et vous pouvez aussi évidemment les retrouver sur certains salons, donc, comme le salon du cheval, Bordeaux, Lyon, etc. La Motte également, voilà, si vous ne voulez pas commander sur internet, vous pouvez toujours attendre les salons. En tout cas, moi c'est une marque que j'apprécie énormément et que je vous recommande. Franchement, c'est super abordable pour la qualité que c'est. Je suis super contente de tous leurs articles, que ce soit les pantalons ou les polos de concours. Ensuite, premier gros achat du salon, je suis repartie avec un amortisseur Kentucky. En fait à la base j'étais pas du tout partie sur un amortisseur parce que je cherchais une paire de guêtres de dressage, sauf que j'ai appris qu'il ne faisait pas de taille cob, seulement des tailles cheval sur le modèle que je voulais, et taille cheval c'est trop grand pour Sapristi, donc je me suis rabattue sur l'amortisseur Kentucky. Voilà, c'est pas forcément, je l'ai pas acheté forcément pour Sapristi, mais comme elle a perdu un petit peu d'eau dernièrement, je me dis que ça peut pas être trop mal pour elle, sous que là elle bosse beaucoup moins qu'avant, donc elle a un petit peu moins d'eau, donc je me dis que ça peut quand même la soulager. Après je la sens pas bloquée avec parce qu'il est plutôt fin comme vous pouvez le voir, et il amortit super bien, il est bien renforcé, etc. Il est vraiment cool. Et du coup je l'ai surtout acheté pour espoir parce que pour le coup il a besoin d'un amortisseur. Et comme le mien se faisant un petit peu vieux et est un peu épais, j'aime pas être trop loin des chevaux quand je suis dessus, donc j'ai préféré en racheter un autre. Voilà. Donc du coup il est un petit peu cher, c'est Kentucky, donc bon, c'est du faux mouton, c'est pas du vrai. Par contre ça s'entretient super bien, ça résiste super bien, vous pouvez le laver en machine à laver, ça ne bouge pas. En tout cas, il est très très bonne qualité. Donc je suis plutôt contente. Sinon, que dire, eh bien, il existe aussi en noir. J'ai préféré prendre en blanc. Tout simplement parce que je trouvais ça plus joli sur une selle noire d'avoir du blanc. Et voilà. Ensuite, petit passage obligatoire. Les chaussettes de notre partenaire, donc Cozy Socks. Alors cette année, j'ai décidé d'en prendre 3 paires polaires parce que vraiment pour l'hiver,
Je trouve que c'est indispensable d'avoir des chaussettes qui tiennent vraiment chaud, surtout que l'hiver qu'on a pour le moment est assez froid, donc j'en ai pris une grise, une bleue et une bordeaux, donc je les trouve très sympas. J'en avais déjà une paire beige et noire que j'aimais beaucoup et franchement je ne peine pas du tout à fermer mes chaps et mes boots avec. Donc ça c'est vraiment ultra positif parce qu'on a tendance à mettre des gros chaussettes l'hiver qui ne ferment plus avec l'épaisseur. Donc c'est un petit peu chiant et là non pas du tout. Donc voilà, vous pouvez aussi retrouver donc les Cozy Socks, que ce soit sur les salons ou sur leur site internet, vous pouvez aussi les acheter dessus. Sachant que sur le site internet les frais de port sont vraiment minimes, donc profitez-en. Ensuite, donc dernier achat du salon. Oui parce que du coup dans cette vidéo il y aura tous mes derniers achats, on va dire, il n'y a pas que les achats du salon. Donc ce sont deux seaux de friandises HDCP, voilà, donc les incontournables des salons avec Cozy Socks évidemment. Donc j'ai pris deux seaux, donc voilà, je vais pas trop les détailler parce que on a l'habitude d'en voir partout. J'ai fait un gros mix de tous les goûts qu'il y avait sur leur stand, sachant que c'est les seuls bonbons que Sapristi mange. Je suis bien contente, ça tient quand même bien 6 mois les deux seaux. Donc voilà, c'est encore l'indispensable des salons, donc comme tous les ans, à chaque fois qu'on va au salon ou à la motte, on passe par ce stand, donc voilà. Ensuite, donc on va passer aux achats qui ne sont pas du salon, mais que j'ai acheté au même moment du salon, enfin la même période en gros. Et donc on va commencer par une paire de guêtres, enfin un ensemble de guêtres et protège-boulets que j'ai acheté pour Espoir. Donc ce sont du coup les guêtres de la marque Lorenzini, donc j'ai acheté en vente privée. Donc ce sont des protège-tendons renforcés avec du titane, donc voilà, un peu comme mes Prestige que j'ai en concours pour Sapristi. Je connaissais pas du tout la marque, mais bon, c'est un équivalent de Veridus et Prestige en gros. C'est fabriqué en Italie, donc c'est de la qualité italienne, donc c'est vraiment la bonne qualité, on va pas se cacher. Au niveau du design, bah, elles sont plutôt sympas. Elles sont quand même assez discrètes, elles sont pas trop non plus tape à l'œil. Donc je suis contente, je pense que je les garderai pour les concours, celle-ci. Elles taillent super bien. Voilà, je suis plutôt contente. Je les ai pas payées énormément cher, je crois que... L'ensemble j'ai dû en avoir pour même pas le prix des guêtres antérieures à la base parce que c'était une vente privée. Je suis tombée dessus par hasard, je les ai prises en grise en taille cheval. Donc ça va nickel à Espoir. Donc voilà, très contente de ce petit achat. Maintenant bah, à voir en concours ce que ça donne. Et surtout si ça protège bien et sur le long terme comment ça vit. Si ça s'abîme vite ou pas, on verra pour l'instant. Je ne les ai pas encore essayé en concours, on verra ça en mars. Avec j'ai les protège-boulets. Donc évidemment qui sont assortis, donc je les ai pris aussi en gris, insertion de titane ici pour protéger, etc. Donc j'espère qu'elles sont quand même bien aérées. Donc le scratch il tient vraiment très très bien en tout cas. Je pense que de là à ce que je les perds en concours, on en est loin. Donc voilà, très contente parce que je les ai vraiment pas payées cher. Surveillez les ventes privées des fois si ça vous intéresse. Je pense que c'est une marque qui doit se faire assez régulièrement comparé à Veridus qui n'est jamais disponible en vente privée. Voilà. Et enfin, donc dernier article de ce haul, donc comme vous l'avez vu dans le titre, donc c'était pas à Paris, mais j'ai enfin trouvé le tapis de mes rêves que je voulais depuis un petit moment déjà. Je regardais plusieurs marques, mais j'ai jamais trouvé ce que je voulais exactement. Du coup, je me suis lancée, je l'ai fait faire chez la sellerie Equitrends. Donc c'est une sellerie en ligne, voilà, si vous voulez commander chez elle, bah, n'hésitez pas parce que franchement, la personne qui gère la sellerie est vraiment adorable. Donc du coup j'ai fait faire un tapis sur mesure de chez RG Italie. Et je vous le montre là, voilà, donc on voit pas très bien, je vais le zoomer après. Il est vraiment magnifique, je suis hyper contente du résultat. Le vraiment gros bémol de RG, c'est les délais. Je l'ai commandé il y a à peu près 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très très long les délais. Mais franchement quand je vois le résultat, je me dis que ça vaut le coup d'attendre. Il est vraiment superbe. C'est exactement ce que je cherchais, donc je suis vraiment super contente du résultat. Voilà, donc il est sur une base camel en coton. La première cordelette, donc c'est une bleu marine. Ensuite, on a un biais bleu avec des rayures. Ensuite, une petite cordelette dorée, une grosse cordelette marron. Et enfin, un biais marron
à carreaux, donc il est vraiment splendide. Je pense que je vais le garder pour les concours et pour les stages avec les cavaliers pro, je pense. Avec Sapristi, donc pour les stages, et avec l'espoir pour les concours. Il ira très bien avec ma veste camel. Donc voilà, je suis ravie du résultat, il est vraiment splendide. Bon, par contre, évidemment, RG, eh bien, si vous connaissez pas, c'est vraiment un petit budget quand même. Le tapis est à une centaine d'euros, je crois, à peu près, avec une réduction de 10% avec un code promo. Mais voilà, franchement, je suis super contente du résultat. Je me dis que ça vaut le coup. Je me suis fait plaisir, voilà. En tout cas, ben, s'il vous plaît ou s'il vous plaît pas d'ailleurs, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, moi personnellement, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai jamais acheté de tapis, mais j'avais hâte d'en faire un. Je pense que c'est le premier, mais ce sera pas le dernier tapis RG que je vais acheter. Voilà, donc en tout cas, je suis ravie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau haul. Salut !